Je m'appelle Élise Fontenaille et mon métier, c'est dérangeuse. Et j'aime beaucoup mon métier. Non, c'est pas la meilleure, mais c'est une des sources d'inspiration. Et c'est vrai que moi, pour avoir écrit beaucoup de romans qui étaient plus près de fiction, là, j'ai eu envie de m'attaquer à un fait réel. Voilà. Et c'est cette collection aussi chez Grasset qui m'intéresse parce qu'elle donne la place aux écrivains pour s'emparer d'un fait divers et le raconter à leur façon. Ce qui est un luxe extraordinaire, je dois dire. Non, j'irai pas jusque-là. J'ai voulu retracer leur histoire. Mais j'ai pas pensé vraiment en termes d'identité, si ce n'est ce qui m'a touchée. Mais en enquêtant, c'est de découvrir que la plupart étaient soit métisses, soit indiennes. D'origine indienne pour la plupart d'entre elles, ce qu'à Vancouver personne ne dit, puisque le Canada a un gros problème avec ses Indiens, comme l'Amérique du Nord d'ailleurs, hein, et même du Sud. Hein. L'Amérique du Nord au Sud s'est bâtie sur un génocide qui est complètement tabou, dont personne ne parle jamais. Et c'est comme si les disparus de Vancouver, c'était un des derniers symptômes de ce drame en fait. Voilà, c'est des réprouvés. Mais comment dire, j'écris pas des livres à message. J'étais très touchée par l'histoire des disparus, donc j'ai voulu la raconter. Voilà. Je pense que c'est les deux, mais je pense que c'est plus l'auteur avec sa sensibilité. En tant que journaliste, j'aurais traité cette histoire différemment. Là, en tant qu'auteur, en tant que personne, je me suis beaucoup attachée à Sarah De Vries, mais aussi à Wen, parce que sinon ça aurait fait un livre trop à charge contre les hommes et c'était pas mon idée. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu que le fil rouge de ce récit soit le client de prostituée qui soit quand même un type bien. Voilà, ça m'a plu, parce que les disparus de Vancouver, c'est aussi une poignante histoire d'amour qui finit mal, comme toutes les histoires d'amour. Ça me fait très plaisir. Je suis un peu effrayée que les lycéens s'attachent à une histoire aussi sombre, tragique et violente. En même temps, ça me touche parce que ça montre une profonde sensibilité, parce que je pense qu'il faut vraiment ça s'adresse à l'âme sensible des êtres, les disparus de Vancouver. Et y compris des garçons, on m'a dit que je pensais que c'était plutôt les jeunes filles qui avaient voté pour les disparus, mais on m'a dit que non. Et ça me touche que des jeunes garçons puissent être touchés par l'histoire des disparus. Voilà, ça me fait très plaisir, parce que j'adore la jeunesse et j'aime beaucoup être lue par les jeunes. Oui, je dirais que la littérature est vivante. Il ne faut pas cesser de lire des livres. Moi, j'essaye justement, en ce moment, c'est un combat difficile de faire lire des jeunes. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que j'essaye de créer des livres vivants qui parlent à la jeunesse. Et j'y arrive, je crois. Plus ma vie avance et plus je souffre du manque et de l'absence de là où tu es, je sais pas si tu me vois. Pas toujours solidaire de mes choix, tu aurais quand même été fier de moi.